Donc on l'avait ramené, on avait prévu de faire un concert à la salle Atlas et tout, donc date arrêtée et tout et tout. Une semaine avant son arrivée à Alger, il m'appelle. Donc on devait faire le concert lui, et il allait faire sa partie, moi ma partie, puis c'est tout. Il m'appelle, il me dit, mais Yazid, il faut qu'on fasse quelque chose. Je lui dis, non, on n'a pas le temps de trouver un poète ou un parolier pour qu'il nous fasse une chanson, une nouvelle chanson et tout. Il m'a dit, non, 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 parce qu'en partant, il avait pris mes CD. Mais c'était beaucoup de musique algérienne. Il a fini par apprendre moi une chanson. Non, il m'a dit, il y a une chanson qui me plaît. Il m'a dit, ça me plaît, est-ce qu'on pourrait la chanter ensemble? Je lui dis, laquelle? Il m'a dit, Atatni Hediya. Ah, c'est mignon ça. Absolument, ouais. Absolument, c'était en ces termes-là. Il m'a dit, mais il faut que tu m'expliques juste une chose. J'arrive pas à comprendre. Bêche. Non, il m'a dit, non, il m'a dit, Radatni Minin. Non, Gabilta Hattad Belt. Mais ça veut dire quoi? Ou tu as dit, voilà. C'était ça, parce que Gabilta, c'est Atenit Beha. Enfin, j'en ai pris soin. Donc c'était ça, donc il est venu, et puis on a fait... Je n'ai pas vu comme ça, moi, la traduction, Gabilta Tadvelt. Voilà, non, mais c'est de l'Ouest, ça. Ouais. Gabilta, c'est pas Gabilta. Je me suis mis en face. Oui, voilà, c'est plutôt ça dans ma tête. Hein. Non, je me suis mis en face, donc je l'ai regardé jusqu'à ce qu'elle se fasse complètement. Non, pas du tout, j'en ai pris soin. J'en ai pris soin.